Ça les bon, allez, on va démarrer Need for Speed Payback. Qu'est-ce qu'il fait comme image ça? Ah, il fait fait le speedrun. Bon. Ah, voilà. Voilà. Ça arrive, vous inquiétez pas. Oups. Y'a le fameux Yahoo! Oui! Et voilà. Alors. Ah, 2 secondes. Une petite histoire de synchronisation. Combien d'habitude? Et c'est parti du coup! Alors, nous étions arrêtés à cette partie numéro 7. Du coup, nous avons fait les épreuves de Mark Tyler en course, nous avons qui était un peu difficile. Nous avons fait les épreuves de. Oui, Mac. Non. Tyler Morgan et Mac plutôt. Et Mac sur le tout-terrain. Donc, du coup, on a pu terminer ça. Il nous reste les épreuves de, Ma de Tyler Morgan en dragster. Et du coup, il nous reste les épreuves de JS aussi, les missions. Allez, donc du coup, c'est parti. Alors, du coup, on en était ici. Et c'est parti. Allez. Ah, la Porsche Panamera. Objectif 330. T'inquiète, on le fera plus tard. Dès qu'on aura un peu tout terminé, un peu tout ça, on fera beaucoup d'objectifs parallèles. Du coup, voilà votre carrière. On sait qu'il y a une caisse à pas ici. Ma foi. Allez, du coup c'est parti, on va changer de voiture, on va prendre notre cher. McLaren 570S coupé. C'est parti. Tu vois la vie comme une lutte. Et nous, comme un jeu. Pour nous, rien n'est jamais assez excitant, assez dangereux, ou digne d'intérêt. On est Diamond Block. T'as jamais entendu parler de nous? Dans ce cas, c'est que tu n'es pas milliardaire. Oh là là. Quelle voiture? Il a... Toi. Quoi? Silence. On va tenter le T-Wheeling. On se voit après la course. Si tu t'en sors. Alors on se voit après la course. Normalement ça doit être très facile. Et salutations à vous. Salutations cher viewer. Allez Ty, tu refais la même. Non, please.
veulent. Ah, satané voiture! C'est parti pour la manche suivante. Mais je suis nul à chier! Stupide! C'est la deuxième voiture, je me prends quand même! Faut que je fasse la troisième course? Là, là, c'est du qui tout double! Ah. Voilà, allez, boum, 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 boum! Passage tardif. Nya! Voilà. Gagné. Allez, deuxième. Dernière manche. À moi de jouer. Sens. Et voilà. C'est pas compliqué. Oui, prends ça. Et en plus, on a fait le wheeling en plus. Oh ben, 5 secondes. Correct. Ouais, petit gars là, Pupère ou KLM. Ça va être solide. Ouh. J'ai pas un petit peu d'accélération, mais je gagne vraiment en puissance. Allez, on prend Time on Block, mission aussi. Bon, ça va être très facile pour celui-là. Après, il y aura les missions de GS, ça va être intéressant. Allez, deuxième épreuve. Eh hey, mec, tu pourrais au moins essayer de trouver des coins moins fréquentés. Soit il se pousse, soit il ne se pousse pas. C'est simple pour jouer sa vie. Tyler Morgan, toi tu vas pas durer longtemps. Je m'appelle Mitko Vasilev. La revanche contre Diamond Block va devoir la mériter. Ce sera un contre la monstre. Tu gagnes ou tu perds, je dois dire que je m'en tape. Allez, c'est parti. Easy. 250, easy. Ça se joue entre la route et moi. Mais pas question de lâcher. Aïe. Ah oui. Ça va être compliqué, surtout à... Ça s'appelle la vie. Ah, ça t'as des voitures. En fait, c'est compliqué. C'est une course dracteur, mais dans un virage, n'importe quoi. Dommage.
en plus dans le sable et tout. Oh, elle dit pas non. Voilà. Oh non. Bon, j'ai réussi ici le prof de vitesse, qui est assez facile honnêtement. Ah ça va, le son de tous les points. Ah, problème des voitures dragster. En ligne droite sont plus puissantes, mais en virage c'est la top. Bah c'était facile de faire 250, tout ça de problème. Ah, c'est n'importe quoi, c'est compliqué, c'est très compliqué quand même. Mais pousse-toi. Aïe, mais pourquoi je prends toutes les voitures aussi? Oh là là. Boum. Boum. Ça me problème. Allez, à moi le fric. Bien. Allez, quel type de carte? Ouh, bien. Oh, ça c'est bonne. Ouf. Ah, après j'ai bonus Americana. Americana c'est quoi? C'est la nitro. Et c'est... le saut. Voilà. Sécurité en dernier. Allez, troisième mission du coup à faire. Parti. Écoute vieux, dingue ou pas, tu fais partie d'une petite ligue de Silver Rock. Comme tout le monde en fait. Tu n'as rien de spécial. Ah, les insultes de la classe moyenne. Oui, on court à Silver Rock, mais nous au moins, on forme une caste plus évoluée que la populace coincée dans cette ville. C'est la populace qui va te piétiner. Parce que tu vas perdre pour moi. Et après, ce sera la défaite aussi pour tes amis du clan Alain Coffroche. Qu'est-ce qui te fait penser que je m'intéresse à cette course débile? Continue, Tyler Morgan. Ah. Mais m'excusez, le jeu a lagué. What the heck? Oula. C'est la première fois que ça m'arrive. Ne vous inquiétez pas, ça se remet en place. On l'avait Discord du coup. Comme ça, ouais, ça c'est bon. Ça paraît bizarre. La première fois que ça m'arrive. Bon. Du coup, c'est pas trop grave. On reprend. J'espère que ça fera pas ce bug là. Mais ça m'étonne quand même. Ça fait la première fois que ça m'arrive.
Ma foi. Je comprends pas pourquoi ça a crashé. Ah bah, easy. Réussis au point de wheeling. Des voitures, des virages, des crêtes. Tiens bon. Ah ouais, c'est moins de wheeling, ok, je comprends. En fait, faut pas rater le wheeling, quoi. Montrez jetons de pièces. Sur celle-là. Et voilà. Facile. Et voilà, épreuve réussie. Dans ta face. Voilà, tu es autologue battu. Bon, ça c'est facile. Deux wheeling. Deux wheeling. Donc du coup, un peu de pognon en plus. Bien. Ouh. Oh, ça commence à être du lourd. Je pas un petit peu de nitro, puissance nitro. Oh, ça en vaut la chandelle. Ah. Tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe? Un wheel de 4 secondes? What the heck? Tyler, comme je sais que tu adores les routes bondées, on va traverser une 4 voies. C'est bon. Manche suivante. Allez, droit vers la victoire. Allez.
ici. Et la troisième. Encore une. Et finish. Boum. Et voilà. Épreuve réussie. Première place. Voilà, je suis tout le temps battu. Par annexe réussi. Oh, quand même. Ah, intéressant ou pas intéressant? Non. Je vais au garage, tiens. Ok, la mission 3 est réellement terminée en fait. Un membre du crew en moins, c'est un pas de plus vers l'Outlaws Rush. Et si on gagnait du temps? Laisse-moi y participer tout de suite. Tyler Morgan, je vous déteste, toi et ta bande de minables. Si je pouvais vous rayer de la carte, je le ferais. Alors vas-y. Allez, Vassilev. Puisque t'es si dangereux, amène-toi qu'on en finisse. Alors comme ça, tu veux du danger? Ok, tu vas en avoir. Retrouve-nous à l'est du désert. On va te montrer. Ah, oups. Je pensais prendre un raccourci, mais c'est raté. Ah ben non, en fait, c'est pas possible. Attends. Oui. Éviter toute position pendant 15 secondes et gagner la course. Non, je refuse. Surtout avec une voiture comme ça. Attention, la fin de cette course est un peu serrée. Alors surtout, soyez prudents, ok? Un petit test, pardon, excusez. Allô? Ça va? Attends, je t'entends un peu mal là. Ah voilà. Je me disais aussi que j'avais baissé le son du téléphone. Ouais, dis-moi. Non, pas du tout, c'est mercredi. Ouais, bon après c'est un peu... Comment ça s'appelle? Là, pour l'instant, à mon avis, Star Wars, ça va être compliqué, je sais pas pourquoi. Parce que on sait bien les stories, Star Wars comment c'est. On verra, la semaine prochaine, si tu veux, t'inquiète pas. Bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr, on le fait à deux ou peu importe, enfin, voilà. Faire un bisou, je pourrais pas, parce que je suis en assemblée générale. Demain. Eh oui, l'assemblée générale du lotissement. Je sais pas. Bon, j'appellerai toi, ça va pas de souci. Bon, ça va. Allez, pas de souci. Ouais, bien sûr, oui, c'est normal. Ça fait logique. Ouais, ça va. Ça va. Non. Ouais.
Ah, je sais pas. Ouais, bon, ça va. Bah ça, bah Tito n'a pas encore lu la lettre puisqu'elle est passée à Marseille, donc du coup, voilà. Voilà. Bah non, depuis le rendez-vous de mardi, là, non, pas pour l'instant. Non. Mardi dernier, c'était... Non, c'était pas vu, mardi dernier, il fait un contact, tu sais, bon, enfin bref, voilà, ce que je t'avais parlé pour... comment ça s'appelle? Conseil général, mais bon, voilà quoi, sans plus. À plus. Ouais, bon, ça va. Allez, bisous, bisous. Allez, allez, ciao, ciao. Excusez-moi. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Vous gagnez la course, d'accord. Wow, d'accord. T'es loin derrière. Ah, oups. J'ai bien fait de mettre ma ceinture. Je vais prendre les raccourcis. Aïe! Enflure! Il va faire rater checkpoint, incroyable! Bon, ça va être très difficile à rattraper du coup. Allez, on perd pas espoir. Ouais, on voit le dragster sur les circuits, c'est pas le pied. Ah. Bon dernier. Allez, courage! Allez, allez, Tyler Morgan. J'ai laissé la peinture. C'est pas grave. Dégage avec ta Viper là! Ah la chalasse! Bon, on va faire la technique coréenne, c'est s'appelle. Courir sur le mur, voilà. Ah, ça marche pas des masses. En avant pour le coup de théâtre. Allez, Andris avec une voiture de drague. Non, pas le mur. Même si j'y ai laissé des plumes. Oh, 900 000, ça concède bien tout ça. Culasse accélération. Quoi, je perds un peu en puissance d'hydro? Ah, parce que je perds un petit bonus. Oh, il est pas allé, on s'en fout. Quatrième mission accomplie. Ah, là d'aller à la mission. Non, non, non! Ils sont tous nuls! La vue est belle, Vassilev! Merci pour la visite! Silence, sale rat!
Arrête un peu de faire le malin tout de suite. Ça veut bien dire qu'on va courir, non? Moi aussi, je suis joueur. Et oui, on court. C'est un drac super dangereux. Planté à chaque fois, Vassilev. Il faudrait quand même harmoniser la série. Admire mes feux arrière. La chance. Ouais. Reste modeste. Ah, j'ai été sûr. Ouais, c'est ça, hein. Allez, à plus. Jess, bon sang, ce connard m'a encore envoyé les flics. Ce type est tordu, Ty. Juste les flics, t'as du bol. Du bol? On verra quand je serai loin. Je les sèmerai près de la ville. Tu gères, Ty. Fais demander. On te voit quand tu seras loin. Ok, bien reçu. Je dis en zoom auto, je dis ah, d'accord, ils vont envoyer les flics. Dégage avec ta poubelle là. Toujours là, Tyler? Toujours là, viens l'énerver. Jess, je mets ce type sur ma liste. Donc, sauf erreur de ma part dans ta liste, il y a Navarro qui t'a trahi, Vassilev qui t'a trahi, et Mac qui t'a piqué ta crème glacée un jour. Ouais, il t'a trahi. Y'a pas que t'as piqué ta crème glacée. Voilà, je désesmé. Oh putain, épique. Y'a pas qu'à piquer ta crème glacée. Et voilà. Ouh. Ouh. Une bonne transmission là. Drague, super dangereux. Quête terminée. Diamond Block League vaincu. Ouh. Ouh. Avant de t'adore le couper. Mamma mia.
Oh, you are a baby ici. Ouf, la Ford GT. Pouf. Oh, elle respire tellement la classe. D'accord. Et donc, du coup, il répond même pas au téléphone. C'est beau. Et du coup, il me reste l'épisode de Jess. Alors, ça s'est passé comment? Écoute, on n'est pas prêt de se faire un resto, mais on peut oublier Vassilev. Il nous empêchera pas d'accéder au rush. Ça m'inquiète, Ty. Qu'un mec comme lui ne dise rien, c'est jamais bon. Inquiète-toi pour nous tous. Ces courses sont terminées, et tant mieux. C'est toujours ça de moi entre le rush et nous. Je préfère me dire que c'était le dernier truc entre le clan et nous. Ouais, complètement d'accord. Boum. Deux étoiles. Ah. Oups. Non, que je fais. Attendez, on se gare, c'est mieux. Voilà. Allez, on sent la Panamera. C'est parti du coup. J'ai trouvé ta nouvelle mission. J'espère que t'es prête. Ma couverture est grillée, tu te souviens? Pas besoin de couverture. C'est le moment d'agir contre le percepteur. Je m'en fous du percepteur. C'est Lina Navarro qui nous intéresse. Navarro tombe, et le percepteur avec. On sera contents tous les deux. Je t'envoie de l'aide. Amène-toi, tu verras de qui je parle. Ah, l'émission de Jess, ça m'intéresse. Intéressant. Oh oh. Alors, c'est toi? Pas si fort. On sait jamais des fois qu'on nous écoute. Ouais, c'est carrément toi. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, on doit livrer des colis. D'accord. Bon. J'aimerais extraire des données de quelques serveurs du clan. J'espère que t'es rapide. Je serai pas là sinon. Au fait, je m'appelle Jess. Soldat de l'Homme d'un Grand, Giflop, bonjour. C'est une ligue de drift, non? Tu connais Mac alors? Mac? Ouais, il a prouvé qu'il se battrait pour la cause. C'est un bon guerrier. Et tu penses vraiment pouvoir pirater ces trucs-là? Ou je sais pas trop ce que tu fais. Arrête-toi. Bien, bien. Voilà, ok, en route. Et maintenant, les autres étapes. Ça va être un peu mieux de se venir. Tu trouves ton bonheur? J'ai trouvé, oui. Mais mon bonheur, non. C'est très bizarre. Bizarre? Très bizarre. Ok, comme la dernière fois. C'est bon. Génial, en route.
Allez, tu y es presque. Toujours bizarre? Toujours très, très bizarre. J'ai droit à un indice? Je vois un déluge de données pour plusieurs types de bagnoles. Huayra BC, Nissan GT-R, Chevrolet C10. Ça évoque quelque chose? Je suis sûr d'avoir vu ces bagnoles quelque part. Mais où? C'est la question. Chevrolet C10, mais ça, c'est pas des trucs de... Comment on l'appelle ça? Ça me semble très suspect quand même. Ok, fais ce que t'as à faire. 5 sur 5. Données obtenues, on y va. Allez, c'est parti. Ah, ça commence. T'es sérieuse, Chess? Waouh. Quoi? Non, rien. Un truc qui m'a paru bizarre, mais tout va bien. Je reçois toujours les données sur ces voitures. Ça, ça me plaît pas trop. Voilà, ça c'est du drift ça. Ok, on y... Merde, je crois que j'ai déclenché un truc. Bordel! Tant pis pour les serveurs, on se casse d'ici. Ah. Oh merde. Ah ben ouais, évidemment, bien sûr. Ah ben bien sûr. Qu'est-ce que t'as fait? On m'a repéré, j'aurais dû être indétectable. Ouais, bah on est bien, bien détecté là. Accroche-toi. En plus, j'ai mis des corvettes en plus. Et si on essayait la manière forte? Attention, Lincoln. Est-ce que t'as récupéré des trucs au moins? J'aurais dû voir la complexité des données. J'avais jamais rien vu de pareil. Ils savent tout. Passage de vitesse, réaction au freinage, état de la route, tout. À quoi ça peut bien leur servir tout ça? Ah bah c'était compliqué de s'en sortir. Avez-vous appréhendé le suspect? Non. J'ai pas pu coincer le central. La poursuite continue. Merde les flics! Oh putain! C'est le même cryptage que j'ai mis au point quand j'ai piraté Black River. T'as piraté une boîte de sécurité privée? Non. Peut-être. Non! Sale voiture! T'as empêché la voiture. Le moteur là, c'est chiant ça. Tiens, voilà, dégage. Mais ils arrêtent jamais. Oh putain. Appliquez-vous quoi. Ça va, j'ai évité les vers. Tiens, dégage. Le bon panneau stop, je l'ai fait prendre. Bon sang, ces mecs lâcheront jamais. C'est quand même fou que le clan puisse appeler la police quand il veut. Ouais, il dirige tout dans cette ville. Mais pas d'inquiétude, je vais nous tirer de là. Reçu à la main 5. Et comme ça, c'est bon. Hop, petit raccourci. Bim. Protéger et servir mon cul. Protéger et servir mon cul. Pas mal. Dégage. Ok, reçu à la 35. Lincoln prend mon véhicule trop enflé. Je laisse ma place en pôle. Lincoln a pris la tête. Le suspect est
Dégage. Ah bah écoute, faites pas la même chose. Dégage avec ta corvette là, tu pues la merde, dégage. J'ai trop bien de voiture métrousse. Ah, ils sont déjà, c'est toujours les plus tordus. Non. Ah ben. Bah. Ah d'accord. Il y a eu véhicule ouvert. Ouh. 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 Oh là là, bonne puissance là. Alors voilà, bonne puissance. Bon. Je vois pourquoi la courtière t'a appelé. T'es incroyable. T'as tout ? Quoi ? Ah ouais, ouais. C'est convaincant. Infiltration mission réussie. Oh, deuxième mission terminée. Du coup, troisième mission débloquée. Voilà, c'est fait. Mais on n'a pas pu aller partout. J'ai vu ça. Passe en veille. Dès que le soldat underground trouve un truc utile, je t'appellerai. Avec plaisir. Plaisir. Soldat underground, qu'est-ce qu'il y a? J'ai voulu utiliser des données pour coller un virus à un casino du clan. J'ai passé le pare-feu, mais j'ai été repéré. Je me barre, récupère-moi. Merde, tiens bon, j'arrive. Grouille. Oh. Désolé, courtière, je pouvais pas attendre ton appel. Qu'est-ce qu'il y a? Soldat underground a tenté un truc, mais on l'a repéré. Je pars le chercher. Celui-là, toujours à jouer les héros. Bon, trouve-le avant eux. T'es où ? Tu me demandes où je suis ? Sérieusement ? En route pour sauver la peau d'un rebelle du dimanche. Ok, ok. Mais j'ai pas tout perdu. Ça va être énorme. Seulement si je m'en sors. Ah, mais tu t'en sortiras. Ah ouais, parce que je suis obligé de sauver, quoi. Soldat, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Genre, il marche. Monte. Tirons-nous d'ici. Need for speed.
Ah bah oui. Ah bah oui. Oh purée. Oh non. On a les voitures du clan. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'a pris, soldat? J'ai laissé une porte dérobée vers leur serveur sécurisé. Je dois rentrer au QG et l'activer avant qu'ils la ferment. Carrément trop facile. Waouh. Quel spectacle. Bon, entre nous, j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit tout à l'heure. Leurs infos secrètes sont dans une maison fermée à clé. J'ai fait le tour et j'ai ajouté une porte à leur insu. D'accord. Soldat, à l'avenir, faudra que tu fasses plus attention. Dis celle qui gagne sa vie en aidant des gens à s'enfuir. On te paie pour éviter les problèmes, on te paie pour t'aider en cas de problème. Ouais, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Au rapport. Il est à bord, sain et sauf. Y a des flics de tous les côtés, là. Oh merde. Charlie. Je vois pas ce qu'il y a plusieurs portes. On a une porte dérobée dans leur système. Et s'il te plaît, m'appelle plus Charlie. Oh, voilà qui est intéressant. Charlie. Mon frère. J'étais avant le Shift Club et elle. Elle m'a donné un. J'ai jamais entendu parler d'elle. Elle a l'air de tenir à toi, en tout cas. Ouais. On se connaît depuis longtemps. Et tu peux pas dire qui c'est, en fait. Elle est connue depuis longtemps. Ah, j'ai réussi à échapper à l'autre lancement. Oh purée, oh non, oh non. Oula. On se pousse. Je vois ta position. Apparemment, t'es à deux pas du QG du Shift Club. Tu nous suis en direct? Tu sais faire ça? À ta place, je ferai l'inventaire de ce qu'elle sait faire ou pas. Tu me donnes un côté mystérieux, Charlie? Je t'ai dit de pas m'app... C'est compliqué parfois. Oh mon dieu, tu te souviens des données des serveurs? Apparemment, elles proviennent toutes de pièces Chidori qui se trouvent dans ces voitures-là. Quoi? Mais on en a des pièces Chidori. Y a des données qui nous concernent? Attends. Ok, non, on dirait que ça a été réalisé sur commande spéciale. Je sais pas à qui sont ces bagnoles, mais ils avaient des exigences spécifiques. Ça m'intéresse tout ça. Des exigences spécifiques. Hé, soldat, tu sais la lambeau dorée qu'on a piquée au clan? Regarde si elle est dans la base. Bonne idée, je regarde. Ouais, elle y est. Il y a plusieurs pièces chidori spéciales dedans. Heureusement qu'on s'est pas baladé avec. C'est flippant de penser que le clan aurait pu nous pirater tout ce temps. Bim, bim, bim. Génial. Oh, le million, le million, le million. Nul. Nul. Merci encore, Jess. Mission numéro 3 terminée. Mission numéro 4 encore. Alors. Apparemment, Soldat Underground a pu rentrer à temps. On y est. Grâce à vous deux. On fait ce qu'on peut. À propos, Charlie aurait encore besoin de tes services pour son prochain piratage. Tu sais, le piratage, c'est pas. Mon truc. Pourtant,
On en est là. Je t'envoie la position. Récepteur. Ici la voix de la rue. Je suis votre garde. Rien à voir, Mac. À ton avis, c'est qui la gardienne? Aucune idée. En tout cas, elle connaît bien Fortune Valley. Ça m'intrigue, mais tu... Charlie a exploité la porte dérobée pour localiser d'anciens points de dépôt à travers la ville. Tu vas récupérer les données avant que le clan ne puisse les obtenir. Je t'envoie tout de suite la clé de décryptage. T'en auras besoin pour dézipper les fichiers. Ok, d'accord. Chaque site a une fenêtre de temps spécifique. Si tu la manques, les données s'effacent toutes seules. Pas de pression, hein? Soldat? Quoi de neuf, Jess? J'ai besoin de toi. Faudrait déchiffrer un genre de boîte noire, je crois. N'en dis pas plus. Le gentil pirate de ton quartier est à ton service. Super, merci. Voyons si ce bidule fonctionne. Je t'envoie les données tout de suite. Reçu. Décryptage des données. Ok, qu'on en finisse. Alors, où et quand ? J'en sais rien et j'en sais rien. Sinon, t'auras besoin d'un mot de passe. Mais je l'ai pas encore trouvé. Super. Ah, ouais, je me suis manqué. C'était trop tôt. Ah, je dois recommencer la mission malheureusement. Soldat? Quoi de neuf, Jess? J'ai besoin de toi. Faudrait déchiffrer un genre de boîte noire, je crois. N'en dis pas plus. Le gentil pirate de ton quartier est à ton service. Super, merci. Voyons si ce bidule fonctionne. Je t'envoie les données tout de suite. Reçu. Décryptage des données. Et voilà pour la première étape. Alors, où et quand? J'en sais rien et j'en sais rien. Sinon, t'auras besoin d'un mot de passe. Mais je l'ai pas encore trouvé. Super. Attention, et voilà! Reçu. Décryptage en cours. La voilà. On a le lieu et l'heure? Non, c'est différent, là. Oh. Waouh! C'est bien la phase d'après dans la collecte des données. La phase d'après? Ils comptent réunir les données de voitures civiles. Il y a un schéma pour les taxis, les voitures de police, les monospaces, tout. C'est une blague? C'est pas possible que ce soit légal. Attendez, il est faux. Tu vas recevoir la suite. Je bouge pas. Jusqu'ici, ça va.
Ok, j'ai le lieu. Il manque plus que l'heure et le mot de passe. Plus que trois spots. J'espère qu'on les gagnera. Chargement en cours. Roger. Ouais, c'est pas mal. D'autres infos sur la phase d'après. Est-ce qu'on sait quand ça va commencer? Ça a déjà commencé. Quoi? Hein? Et comment ils ont ces infos sans qu'on le sache? J'en sais rien, je vais chercher. J'espère qu'on trouvera des réponses. Que dire d'autre? Oh oh. Oh oh, quoi? J'ai le mot de passe. C'est grand déluge. J'espère juste qu'il s'agit d'un déluge de données. Pas le déluge de l'Ancien Testament, le monde entier, l'humanité qui repart de zéro, tout ça. Ouais, espérons. Et voilà. Terminus. Ça va. Ouais, pas mal ça. Ok, je l'ai. L'heure, c'est... Maintenant, je t'envoie la position. Bonne chance. Merci pour ton coup de main. Je te dirai comment se passe le grand déluge. Grand déluge? Excusez-nous pour cette pagaille. On a subi de nombreuses intrusions récemment. C'est rien. Voici l'appareil que le clan nous a demandé. Gardez-le en lieu sûr. Il devait tomber entre de mauvaises mains. Ce serait pas bon pour toi. Tu me connais. Je suis du genre prudente. On te recontactera plus tard. Récepteur, mission réussie. Quatrième mission terminée. Cinquième mission. On? Ce mec fait pas partie du clan, c'est clair. Qui c'est qui commande ici? Hé, hey, j'ai ce truc avec moi. Ça ressemble à une unité de commande. Électronique. Une UCE? Dis à ton technicien d'y jeter un œil. Je parie qu'il sait à quoi elle sert. Très bien. Hé, hey, au fait, le mot de passe pour rencontrer ce type, c'était Grand Déluge. Ça annonce rien de mauvais, au moins. J'espère. Mais vraiment. Formidable. Hé, hey, Rav, j'ai une UCE sur laquelle j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Je passe te voir. Un
Un appareil inconnu venant d'un mystérieux agent. T'as piqué ma curiosité. Voyons voir. Gamme réserve de Chidori. On dirait que ça reçoit un signal externe. Je déconseille d'aller le vérifier, mais... La centrale solaire. Prudence. Vraiment. Acheter un œil à l'appareil. Qui ? Il sait pas ce que c'est, mais il y a un truc qui pompe des données près de la centrale solaire. Tu penses pas avoir besoin de te dire d'aller jeter un œil ? Je suis déjà parti. J'en étais sûr. Dès que t'as du nouveau, tu me dis. Reçu. Salut, Jess. J'ai regardé l'appareil d'un peu plus près. J'avais tout faux. Il reçoit pas seulement le signal, il le transmet aussi. Tu sais quel genre de signal ? Je vois que des coordonnées GPS qui riment à rien. Ok, si je trouve quelque chose au chantier, je te dis. Ça sûr que je serai là. Ils ont repris un véhicule en pleine nuit. Le suspect va au sud, près de la centrale solaire de Sortie Palais. Attention, Adama 6 est en poursuite code 3. Les unités disponibles sont demandées sur zone. Ok, je vais te taper, centrale. Centrale, on a perçu le suspect. On vient de lui rentrer dedans. On le tient. Légion 30, j'ai dû m'arrêter. Ah, merde, c'est ça, vrai. C'est une blague. Ah, c'est pas surtout, ça. Et surtout que j'ai cogné. Quoi ? Oh, mais comment la police a su que je serais là ? La 35 composée de Porsche Panamera Turbo, vers le nord, par la centrale solaire de Fortune Valley. À toutes les unités, Adama 35 est à la poursuite d'une Porsche Panamera Turbo. L'individu va vers le nord, près de la centrale solaire de Fortune Valley. Quoi ? C'est tout ? Adama 35, l'avez-vous arrêté ? Négatif pour l'arrestation, la poursuite a repris. Adama 35, avez-vous arrêté l'individu ? A 35, il a réussi à s'enfuir, centrale. Courtière ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? La police m'attendait sur place. Qu'est-ce qui se passe, mon sang ? C'est absurde. Comment le percepteur pouvait savoir que tu venais ? Ne dis pas que ça pousse de cette UCE. Bon, moi je me sors de là, et toi, essaie de découvrir comment ils ont su que je venais. Oh putain ! Bien le bonsoir. Alors, on fait un peu de... Ouh. Notre moteur a lâché. Demandez pas d'œuf. Reçu. Je percute. Eh ben non, manqué. Wow. Central, on vient de percuter le suspect. Central, la vie prêt à intervenir. Jess, mais dans quoi tu t'es fourré ? Nom de code, boîte noire, livraison, technologie secrète. C'est ridicule. Oh, regardez, c'est nous, Tyler et Mac. On fait traîner et faire des courses toute la journée. Et évidemment, je me retrouve à courir pour ma survie. Ça part à l'ouest, par le tunnel de l'Observatoire Marshall. Tiens, on va un peu gagner du temps. Admettez la mort play, n'y attendez pas. Adam 35, notre véhicule est encore plein là, on laisse notre place.
son pôle. Adam 13, on prend le relais. Bien reçu. Fichtre. On est prêt, centrale. Manquez le bélier. Ça part au sud, en direction de l'Observatoire Marshall. Bien reçu, Adam 13. Ben c'est quand même bien reçu. Tiens. Non mais je mettrai ça sur ma note. Marshall. What? Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a fait 360. Oh le pays top. Ah ben là, veut tomber aussi. Dégage. Hop. Centrale à la 35, unité hors service, on peut pas continuer. Ok, bien reçu. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle a fait la voiture. Et hop. Adam 1-6, reçu, suspect demandé. Vers le nord par le Mont Providence. Bon reçu, pourri. Tu pars au nord par le Mont Providence. Dégage avec ta corvette là. Youh. Tiens, voilà, prenez-vous un peu des voitures. Ah ben. Dans quelle direction vous roulez? Oh purée. Reçu, le suspect parallèle par le mont Providence. Ah, là par contre ça a commencé à être un peu épicé. Vers le sud par le tunnel Cohen. Incode 3, mon véhicule a trop morflé. Je laisse ma place en pôle. L'unité prête à quitter la poursuite. Tiens. Pour la remplacer. Ah, on a pris la tête. Je vais à quelques mètres. Oh, fais gaffe. Olé, Dodge. Centrale, attends. Centrale, il essaie de me presser. On l'a, on l'a. Après, notre moteur vient de lâcher. Hé, hey, on se calme. Putain, il a un millième, mais il m'a failli me faire planter quand même. Bien dommagé, hein, ma gueule. Carrément trop facile. Je vais demander. Vers le nord, au passage Switchblade. Retenu. C'est bon, je pense à y assommer. Au revoir. Qu'est-ce que c'est ce charabia-là? Calculateur et saut. Calculateur et frais. Calculateur saut. Cinquième mission terminée. Ah. T'as du nouveau? T'attendras. Charlie organise une réunion d'urgence chez lui. J'ai pas l'ordre du jour, mais on pourrait se retrouver pour que tu... Bien sûr, sans problème. Hôtel Casino de Fortune. Mais c'est glauque ici.
Le flambeur viendra jamais. Il fait nuit. Me voici. Une pièce dans les parages. Je vais regarder. Une pièce de quoi? Ah, j'ai trouvé une pièce de Ford Mustang. De la rue. Bon vent à vous. Tyler Morgan affronte les meilleurs et compte se qualifier pour l'Outlaws Rush. La concurrence devient-elle trop forte pour lui? Sûrement pas. Ses dernières victimes sont Nitko Vassilev et ses larbins de Diamond Block. Comme quoi, tout l'or du monde ne vaut rien face au talent pur. Mais qui l'eût cru? Eh bien, votre gardienne déjà. Tu peux être fier de toi, Ty. Ça fait chialer un milliardaire. Pareil qu'il sèche ses larmes avec des billets de 100$. Il sèche des larmes avec des billets de 100$. Samantha? La courtière. Normalement, t'as reçu toutes les données sur ton téléphone. Il y aura les flics et les gars du clan. J'ai envoyé des coordonnées. Sème-les là-bas. J'y vais. Et soldat, il n'y a pas que la courtière qui est énervée. C'est mon devoir de soldat underground. Je te donne rendez-vous de l'autre côté. A plus. Samantha, je suis à la poursuite d'une Porsche Panamera Turbo. Vers l'est, dans le lac New Haven. Aux unités sur poursuite, Sol 130 est à la poursuite d'une Porsche Panamera Turbo. L'individu va vers l'est, par le lac New Haven. Chant. Alors, du nouveau? J'ai les flics et le clan sur le dos. Soldat, il a trouvé du lourd. Il appelle ça la clé. Pour info, la police des autoroutes met des barrages en place. Genre. Mais vous jouez à quoi, là? On prend la poursuite. Ok, reçu. Et les flics poussent les clans, quoi. Ça va être chaud. Le point. En route avec un monstre fou à mes trousses. Bonne chance. Adama 35, vous allez dans quelle direction?
Dégage ta voiture. Tu veux la jouer comme ça. Non. Putain, le bélier aussi, ici, mais... T'es avec des voitures à toutes les trousses, là. Tiens. Et la police des autoroutes vous donne un coup de main en déployant des airs. Évitez les coups. Adresse 36 pour nous. Cette voiture est HS. Bien reçu. Vers le nord, en direction de... Soldat, qu'est-ce qui était si important au point que tu dois disparaître? Et moi? Moi, je me suis encore fourré. Mais non. Impact à venir. Quoi? C'est tout? Reçu. Bonne chance pour tout réparer. Centrale à la 35 du VHS. Meurs. Non. Mais faut quoi? Attends, contre le mur. Voilà, bim. Ok, bien reçu. J'ai presque laissé échapper par là devant. Dégage. Oh les. Poussez-vous. Poussez-vous, j'ai buscu. Aïe. Non. Aïe. Non. Essayez d'encaisser ça. C'est compliqué. Allez. Ouf. N'importe quoi. Allez, je vais pouvoir les échapper. Et la France, je peux pas continuer. Mettez quelqu'un d'autre en pause. Adam 1-6 pour la sous les yeux. On passe en pause. Vers le nord, par le tunnel de l'Observatoire Marshall. Reçu, Adam 1-6. A1-6, impossible de suivre ce véhicule. On va tous en rester là. À toutes les unités sur poursuite. Centrale de suspect est en fuite. Se diriger vers l'est, par le désert. Courtière, ils m'ont enfin lâché. Je roule vers toi. Bien. Et courtière. J'ai dit bien. Voilà les données. Il faut que je sache. Qu'est-ce qui se passe? Voyons pour quelle raison Charlie a disparu. Tu as le droit de savoir. Le percepteur n'est rien d'autre qu'une simple marionnette. Son clan n'est qu'un pion. Tout ce qu'il faut savoir est ici. Dans les fichiers Arkwright. Fin du message. Bien. Y'a pas Vulcan! Incroyable! Ah, bah, l'arrête plus! Hein. La 918 Spider! L'Outlaw's Rush. Morgan y sera. Peu importe. On le battra. Après, je m'occuperai de toi. Ouh, j'ai peur. C'est quoi ça? La dernière pièce du puzzle. Si tu gagnes, le clan pourra avoir tout Silver Rock. Si tu perds, le clan n'aura plus rien. Il devra nous rembourser, moi et tous les autres. Ton casino? Tu veux parier ton... Tapis. Je contrôle la Outlaw's Rush. Si tu veux perdre tout ce que t'as, c'est ton choix. Ah, attention. C'est un pari risqué. Il sera d'accord, ton boss? Quand je lui filerai les clés de ton casino,
Il pourra plus rien me refuser. Je te le souhaite. Que le meilleur gagne. La meilleure. Tyler. Bonjour, Ty. Qui c'est? Tu me reconnais pas? Tu vas me vexer, Tyler. Dans les ligues, on me prend déjà pour ton attaché de presse. Ça, c'est la voix de la rue. Ton crew est admis à l'Outlaws Rush. T'as réussi. J'aimerais bien te féliciter, mais c'est l'enfer qui t'attend. Dis-toi juste que t'as plein d'amis en ville qui te suivent depuis le début. Bonne route, Tyler Morgan. Préparez-vous! Ah, préparez-vous là! Moi je vous dis, préparez-vous! Parce que là c'est du solide que je vous prépare. Attention! Bon, déjà si je conduirais un peu bien. On y est! Le fun va commencer. Mais avant que le fun va commencer, on va aller dans un garage. Un garage. Comme ça, on va vendre la Porsche. On va récupérer un peu de thunes. Et on va tuner la Vulcan. Ouh, ça va être épique. Alors, la Porsche Cayman. On a la voiture de Draster, on a la voiture de ça, voilà toutes les voitures hein, qu'il nous faut. Enfin, on va un peu tuner la petite un peu quand même. Mes très chers pilotes, ici la voix de la rue. Et aujourd'hui, c'est une voix qui chante. La situation est en train d'échapper au clan. La rue a parlé et elle veut que Tyler Morgan participe à l'Outlaws Rush. Notre crew préféré a gagné toutes les courses dont il a pris le départ. Et maintenant, Tyler va affronter les meilleurs pays. Ou purée, ça va coûter assez cher. Le clan risque de truquer l'Outlaws Rush. On y croit à fond. Et on espère que ça n'arrêtera ni Tyler, ni son crew. Tyler, la rue s'est exprimée. C'est l'heure. L'heure de faire tomber le clan. Pas de pression, hein. Oh.
Et voilà, allez, c'est parti pour ce qu'on appelle l'épique mission. Ah, j'adore cette caisse. Ah, j'adore cette caisse. J'aime pas trop les Aston Martin, mais celle-là. En général, dès le lever du soleil, tu sais comment sera la journée. Et aujourd'hui, c'est sûr, il va y avoir des courses. Oh là là. Oh là là. Ma Vulcan chérie. Oh le ce bruit. Pour la fin de mission, je pense. Le clan va faire tout son possible pour nous arrêter. Il va y avoir des coupes-circuits et des flics partout, on peut en être sûr. Jess, tout est prêt? Ils vont rien comprendre. Super. Mac? On est prêt, chef. Moi et les autres, on va balader les flics toute la nuit. Rav? Moi, je leur ai préparé une petite surprise, juste au cas où. Et Tyler, quand tu sauras quelle bagnole tu vas emmener au Rush, vérifie si elles sont bien réglées comme thème. Ouais, ok. Je vérifierai tout ça. Ouais. Cette fois, ça y est. On va anéantir le clan. Oups. J'ai pris une photo sans faire exprès. C'est pas grave. C'est parti. La fin de tout ce qu'il fait. Jamais très loin d'une course. Allez, c'est parti pour la fête. C'est des Force Speed Payback. Oui, ça, ça. Voilà, Lina. Allez, c'est parti. T'as réussi à trouver une place sur la ligne de départ, on dirait.
et je suis venu te battre. Pauvre Tyler. Tous les pilotes rassemblés ici veulent t'écraser. Tous les flics de Fortune Valley veulent ta peau. T'es qu'un loser, comme tous ceux qui ont essayé de m'arrêter avant toi. T'as eu de la chance, mais ça va pas durer. Non, justement, c'est là que tu te trompes. Ça n'a jamais été de la chance. Préparation. Jess, Mac, Daniel. À toi de jouer, Tyler. Bonne chance. C'est comme j'ai dit à Navarro. C'est parti. Le drone a décollé. Il attend quoi que ce soit, je le saurai. Ces pilotes sont les meilleurs du pays. Pour se qualifier pour la suite, c'est simple. Tu dois finir dans la première moitié du classement. Merci, Jess. J'ai fini ce qu'on est, wesh. Façon de faire. Gagner la course. Voilà. Ah, c'est vraiment des courses épiques quand même. Tu croyais quand même pas que j'allais la jouer réglo, Morgan. Ah. Tyler, attention. Le clan t'envoie du monde. Rien d'insurmontable. J'espère bien. Je reconnais quelques voitures. Holtzman, Vasilène, Nova, dégagez-le. Non mais dites-moi que je rêve. Tiens, tiens. Notre Morgan essaie toujours de sauver le monde. Monsieur Morgan, alors, prêt pour l'élimination? Le percepteur a commandé une démolition, je suis là pour m'en occuper. Oh, ça c'est pas bon signe. Voilà les problèmes qui arrivent, et ils vont droit sur Tyler Morgan. Mais tiens, allez! Dégage! Adieu! Allez, c'est la fin. Ce cher Tyler occupe la première place de la course. Mais n'attendez aucun fair play de la part du clan. Alors, restez à l'écoute. Oh là là. Mais dégagez. Ils sont chiants. Poussez-vous. Pas de pitié. Elle est trop puissante sans déconner. Tiens, dégage. Oh, oh, je l'ai mis hors course quasiment. Ah bah tiens, voilà. Faut pas me chercher. C'était trop juste. Yop les gens. Allez, c'est la fête. Donc l'autre rush, c'est parti. Oh là là, la Vulcane en plus. C'est la caisse que j'adore. Aïe, attention là. Allez. La Outlaws Rush a été créée du temps des contrebandiers des années 20. Outlaw, ça veut dire hors la loi. Et c'est pas pour rien. Oh là, je crée le pire là. Aïe. Regarde où tu vas. Ah, et l'autre, il est en train de me rattraper. Attention. Ah, j'ai semé les autres pilotes, mais par contre. Pas mal, Tyler. T'es en tête à la moitié de la première manche. Vas-y, j'ai fait la moitié. Il reste encore le troisième pilote. Là. Un peu trop t'es bien, c'est virage. Trop facile. Bah
battu la liste noire? Vainqueur du Speed King? Participant du run? Bienvenue à l'Outlaws Rush, la course de rue ultime du pays. Allez, profitez du dernier spectacle que je vous offre. Hey, salut petit, j'appelle juste pour te dire merde. Enfin, bonne chance. Oui, merci. Arrange-toi pour gagner. Parce que si je perds mon casino, tu seras dans la merde. Je plaisante. Je plaisante pas. Vous m'aurez pas. Tyler est premier, alors que le clan lui met du bâton dans les roues. Il doit se maintenir dans la première moitié du classement pour se qualifier. Aïe! Ah, bon, ben, sortie de route. Des choses qui arrivent de temps en temps. Bonne chance si tu veux me voler la victoire! Allez. Allez, reste une petite minute de course. Après. Continue, on va dire. Ouais. Est la première des trois manches de la Outlaws Rush. Et si vous la trouvez difficile, cher pilote, vous allez adorer la partie tout-terrain. Oh purée, en plus je l'ai bien boulevé. Oh, ça va être chiant la partie tout-terrain, je vous préviens. C'est bientôt l'observatoire. Et en tête, la tout-terrain est prête. Oh, oh, oh. Aïe. Tut tut. Oh la beauté de cette caisse. Je suis presque tombé amoureux de cette caisse quoi. Ah mais non mais là c'est du... J'attends pas trop les Martins des voitures anglaises. Mais celle-là, c'est une beauté à l'état pur. Allez, style. Tyler Morgan remporte la première manche de la Outlaws Rush. Qu'est-ce que vous attendez pour descendre ce crétin? Appelez d'autres crew alors. Comment ça, ils ont tous été éliminés? Appelle nos amis dans la police. Personne ne doit passer à part notre pilote. Aïe, aïe, aïe. Les pilotes sont au volant de leur tout-terrain. Ça va devenir un peu cradingue par ici. Oh, ça va être rip. C'est parti avec Mac Allister. Ouf, oh là là. Va essayer de la sortir de route, on voit quand même. Ah, olé. Sur trop, Tyler.
Voilà comment on fait, on prend les raccourcis chez moi. On coupe les routes. Il y a des flics qui arrivent. Plein de flics, man. Sans aucune entourloupe, la course serait pas digne du plan. Adam 35, on a un canif sur plusieurs systèmes hors piste lancés vers l'aérodrome 73, code 3. Les autres pilotes ne comptent pas. Tous sur Tyler Morgan. Central demande confirmation de l'ordre reçu. Affirmatif, oui. Adam 35. À toutes les voitures de la poursuite, Tyler Morgan est la priorité absolue. Ignorez tous les autres véhicules. Les flics viennent d'entrer en piste et ils semblent décidés à arrêter Ty, on dirait. Encore un coup de clan. Ils ont des coups de circuit. T'en fais pas. Ces contre-mesures devraient être protégées. Devraient. Aïe. On l'a eu par le côté, Adam 13. Bon, ça va un peu aider. Adam 13, veuillez préciser. C'est votre coup de circuit qui ne fonctionne pas. Négatif, central. Quelle sur la voiture du suspect qui n'agit pas. Il bah oui, faire bouffer du coup de circuit. Mais non. Yes! La contre-mesure a marché! Évidemment! Par contre, les circuits ne tiendront pas. Débarrasse-toi vite des flics. Mais t'inquiète, tu finiras la manche. What? Ils ont voulu faire quoi, les flics, en fait? Vous avez aucune chance. Si tu crois que tu vas gagner, mon pote. What? Adam 13, avez-vous appréhendé le suspect? Qu'est-ce qui se fait se passer en fait? Non! Pipuré! Les flics là! Essayez de tenir au moins jusqu'à l'aérodrome. Les gendarmes réservent une surprise. Ah. En même temps, tu dégages aussi, hein. Non mais. Attends, non, on va faire un peu dur. On va faire un peu du. Pas dit de raccourci. Bientôt la fin. Encore un effort. Ah. Oh oh. La police de Fortune Valley en face. J'ai entendu les gars. Allez l'aider. Nick 73 à la rescousse. Ici Pierre Bermilicia. Ah. On va percuter ces flics jusqu'à ce qu'ils nous prennent en chasse. Oh, le back attack. Le back attack. Le back attack était épique. Graveyard Chief présent. On a plutôt bien énervé les flics de Braxton et au Lac New Haven. Ici le Riot Club. On est en train de totalement ridiculiser les flics dans le centre-ville. À toi de gagner cette course, Big Brother. Pas à toi. Nice bomb en fuck. On assurera la Silver Canyon. Silver Six dans le barrio. À cause de nous, les flics ont passé un sale quart d'heure ici. C'est pour toi, Petitaille. Armor 22, central, on signale plusieurs codes 3 dans le comté et en centre-ville. Demande renfort immédiat. La situation est instable et s'aggrave rapidement. Vous réglerez ça plus tard. Envoyez toutes les unités sur Morgan. Sauf votre respect, madame, on a plusieurs dangers publics. La cage mobile. Genre n'importe quoi. Armor 22, code rouge. À toutes les unités disponibles des districts 1 à 4. Priorité absolue à l'arrestation des chauffards. Reprenez le contrôle de Fortune Valley. C'est sympa d'avoir plein d'amis dans toute la vallée. On est tous là pour toi. Alors vas-y, fonce et gagne tout ça. T'inquiète, on va gagner. Oh. Ça va, c'est passé. Ça c'était dangereux. Eh ben alors, je vais trop vite. Notre ami Tyler ne s'arrête plus. Il se classe dans les trois premiers, malgré un gros dispositif policier. Ah, un peu de route, ça fait un peu de bien. Non, mais purée, sale voiture. Eh ben j'ai plus qu'à changer de pantalon. J'ai plus qu'à changer de pantalon. N'importe quoi. Ah.
Allez, on va reprendre un coup de vieux. On va reprendre tout terrain. Tyler est dans le top 3. Et l'arrivée du parcours tout terrain n'est plus très loin. Il peut encore gagner. Allez, wouhou! Mais en fait, vous savez pas conduire. Ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ça par contre, c'est elle là qui c'est. Ça, c'est vraiment le lucky ce qui vient se passer. Allez, ça, c'est vraiment dommage ce qui vient se passer. Le vainqueur de cette deuxième manche de l'Outlaws Rush affrontera le champion sortant en duel. Alors, est-ce que ça pourrait être Tyler? À en croire votre gardienne magique, la probabilité est plus qu'élevée. Ah purée, non, j'ai perdu parce que je me suis manqué ce dernier virage. Oh non, oh là. On est tous avec toi, mon pote. Merci pour le coup de main, Mac. Ah non, j'ai manqué ça. Non. Oh, Tyler, j'ai tout misé sur toi. Quel imbécile. Ah, j'ai manqué ce dernier virage. Ah, il m'a coûté la course. Bon. Ah, je commence à partir de là. Allez, Tyler, dernier tour. Graveyard Shift présent. On a plutôt bien énervé les flics de Braxton et au lac sur Heaven. Ici le Riot Club. On est en train de totalement ridiculiser les flics dans le centre-ville. C'est dommage. Bon, on va éviter de manquer ce virage. Dégagez, voilà. Silver Six dans le barrio. À cause de nous, les flics ont passé un sale quart d'heure ici. C'est pour toi, petit taille. Armor 22, centrale, on signale plusieurs codes 3 dans le pompé et en centre-ville. Demande renfort immédiat. La situation est instable et s'aggrave rapidement. Vous réglerez ça plus tard. Envoyez toutes les unités sur Morgan. Sauf votre respect, madame, on a plusieurs dangers publics qui saccagent le mobilier urbain. La situation devient plus que critique. Reçu Armor 22, code rouge. À toutes les unités disponibles des districts 1 à 4. Priorité absolue à l'arrestation des chauffards. Reprenez. Mais Jean ! Mais non ! D'avoir plein d'amis dans toute la vallée. On est tous. Pourquoi mon cœur fait ça ? Alors vas-y, fonce, calme ça. Ça n'a aucun intérêt. Bon allez. Presque, presque. Rien n'est perdu, allez, allez. Faut que je donne un peu de tout là. Bon, c'est trop court ça. Allez. Un peu de route. Allez, on ne s'arrête pas cette fois-ci. Putain, l'autre il est devant quoi. Je vais manquer de temps là. Attends, on va faire une technique coréenne, attendez. Putain, mais l'autre il fonce l'autre. Putain, mais il fonce. De cette deuxième manche de l'Outlaws Rush affrontera le champion sortant en duel. Alors, est-ce que ça pourrait mais être dégage. À en croire votre gardienne. Mais non. La probabilité est plus qu'élevée. C'est pas vrai.
Comment ça se fait que je perds? C'est bien, Ty. On est tous avec toi. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais perdre parce que... Ah, c'est qu'est-ce... Tyler, j'ai tout misé sur toi. Mais quel imbécile. Tiens. C'est pas vrai. Ça, c'est bizarre que j'arrive pas. Ah ouais. Graveyard Shift présent. On a plutôt bien énervé les flics de Braxton et au Lac New Haven. Ici le Riot Club. On est en train de totalement ridiculiser les flics dans le centre-ville. À toi de gagner cette course, Big Brother. Va à toi. Non, ils tombent en force. On a sur grave à Silver Canyon. Silver Six dans le barrio. À cause de nous, les flics ont passé un sale quart d'heure ici. C'est pour toi, petit Aïe. Arnor 22, centrale, on signale plusieurs codes 3 dans le comté et en centre-ville. Demande renfort immédiat. La situation est instable et s'aggrave rapidement. Vous réglerez ça plus tard. Envoyez toutes les unités sur Morgane. Sur votre respect, madame, on a plusieurs dangers publics qui saccagent le mobilier urbain. La situation devient plus que critique. Reçu Arnor 22, code rouge. À toutes les unités disponibles du district 1 à 4. Priorité absolue à l'arrestation des chauffards. Reprenez le contrôle de Fortune Valley. C'est sympa d'avoir plein d'amis dans toute la vallée. On est tous là pour toi. Alors vas-y, fonce et gagne tout ça. Ah, ça va rayer la peinture. Ah, c'est pénible. C'est quoi ce bordel? C'est un voiture qui doit être trop lent, c'est pas possible. Allez. Aide. N'insiste pas. Un. Allez, 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 allez. Allez, il faut garder la tête. Allez, il faut garder la tête. On garde le cap sur la tête. Tyler est dans le top 3. Et l'arrivée du parcours tout terrain n'est plus très loin. Il peut encore gagner. What? What? Qu'est-ce qui va se passer? What the fuck, Eagle? Qu'est-ce qui va se passer? Bientôt la fin de la course. Allez, à fond. J'ai pas compris ce qui va se passer là. Qui peut m'expliquer? Le vainqueur de cette deuxième manche de l'Outlaws Rush affrontera le champion sortant en duel. Alors, est-ce que ça pourrait être Tyler? À en croire votre gardienne magique, la probabilité est plus qu'élevée. Non mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas compris. J'ai pas compris le bug qui va se passer au saut. Oh Tyler, j'ai tout misé sur toi. Mais quel imbécile. J'ai pas compris qu'est-ce qui va se passer au saut. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé en plein saut? Non. T'es, j'aurais dû gagner cette course. J'ai pas compris. J'ai pas compris. D'accord. Et après. Après la troisième épreuve. Après la troisième épreuve, il y aura la. Je vais prendre ma. Comment s'appelle? Comment s'appelle? Ma vulcale, elle a vu. Là, par contre, ça va chier des bulles. Sur grave à Silver Canyon. Dégagez. Silver Six dans le barrio. Aïe. Les flics ont
passé un bel quart d'heure ici. C'est pour toi, Fritaille. Armor 22, centrale, on signale plusieurs codes 3 dans le comté et en centre-ville. Demande renfort immédiat. La situation est instable et s'aggrave rapidement. Vous réglerez ça plus tard. Envoyez toutes les unités sur Morgan. Sauf votre respect, madame, on a plusieurs dangers publics qui saccagent le mobilier urbain. La situation devient plus que critique. Reçu, Armor 22, code rouge. À toutes les unités disponibles des districts 1 à 4. Priorité absolue à l'arrestation des chauffards. Reprenez le contrôle de Fortune Valley. C'est pas d'avoir plein d'amis dans toute la vallée. On est tous là pour toi. Alors vas-y, fonce et gagne tout ça. Allez. Pas compliqué de gagner cette course. Non, toi tu dégages. Toi tu feras pas l'extérieur. Allez, dégage. Là, hop, hop, ce virage-là, voilà. Notre ami Tyler ne s'arrête plus. Il se classe dans les trois premiers, malgré un gros dispositif policier. Non mais c'est pas vrai. C'est incroyable ce qui va se passer quand même. Putain, c'est un cauchemar. Putain, je réussis comme par hasard. Tout soit toi. C'est une blague. Tain. C'était un cauchemar cette course. Mais regarde aussi. Une permet qu'il faut mettre à zéro nitro. Graveyard Shift présent. On a plutôt bien énervé les flics. Tain. Ah c'est chiant. Ici le Riot Club. On est en train de totalement ridiculiser les flics dans le centre-ville. À toi de gagner cette course. Je crois que j'aurais dû un peu tuner plus la BMW parce que là. Silver Canyon, Silver Six dans le barrio. À cause de nous, les flics ont passé un sale quart d'heure ici. C'est pourquoi, Fritaille. Armor 22, centrale, on signale plusieurs codes 3 dans le comté et en centre-ville. Demande renfort immédiat. La situation est instable et s'aggrave rapidement. Vous réglerez ça plus tard. Envoyez toutes les unités sur Morgan. Sauf votre respect, madame, on a plusieurs dangers publics qui saccagent le mobilier urbain. La situation devient plus que critique. Reçu, Armor 22, code rouge. À toutes les unités disponibles des districts 1 à 4. Priorité absolue à l'arrestation des chauffards. Reprenez le contrôle de Fortune Valley. C'est sympa d'avoir plein d'amis dans toute la vallée. On est tous là pour toi. Alors vas-y, fonce et gagne tout ça. Allez, faut que je la gagne cette course. Faut que je la gagne. Y a pas de raison que je la perde cette course. Attends, par exemple, le trick shot là, c'est. Toi, il faut que je te mette hors de course en fait. Voilà. Et là. Voilà. Allez. Ah. Voilà. J'ai bien fait de mettre ma ceinture. Tant mieux, voilà. Ça, c'est parfait. Thank you.
3. Et l'arrivée du parcours tout terrain n'est plus très loin. Il peut encore gagner. Allez, Tyler. Il faut hausser le ton maintenant. Il a fallu qu'il y ait toujours une voiture qui me gêne. Ah, c'est pas vrai, c'était cauchemar. Le vainqueur de cette deuxième manche de l'Outlaws Rush affrontera le champion sortant en duel. Alors, est-ce que ça pourrait être Tyler? À en croire votre gardienne magique, la probabilité est plus qu'élevée. C'est bien, Ty. On est tous avec toi, Quad. Merci pour le coup de main, Mac. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est incroyable. C'est pas croyable. Je manque vraiment de puissance en fait. Tain, je l'avais. Graveyard Shift présent. On a plutôt bien énervé les flics de Braxton et au lac du Heaven. Ici le Riot Club, on est en train de totalement ridiculiser les flics dans le centre-ville. À toi de gagner cette course, Big Brother. Pas à toi. Hop. Hop là. Voilà. Tac, allez, c'est parti. Maintenant je connais un peu les... À cause de nous, les flics ont passé un sale quart d'heure ici. Je connais un peu les préceptes. Arlor 22, central, on signale plusieurs codes 3 dans le comté et en centre-ville. Demande renfort immédiat. La situation est instable et s'aggrave rapidement. Vous réglerez ça plus tard. Envoyez toutes les unités sur Morgane. Sur votre respect, madame, on a plusieurs dangers publics qui saccagent le mobilier urbain. La situation devient plus critique. Reçu à Morgane, c'est passé. À toutes les unités disponibles des districts 1 à 4. Priorité absolue à l'arrestation des chauffards. Reprenez le contrôle de Fortune Valley. C'est sympa d'avoir plein d'amis dans toute la vallée. On est tous là pour toi. Alors vas-y, fonce et gagne tout ça. Dégage avec ta voiture. Soufflez. C'est pas l'un, c'est l'autre qui s'y met. Sortie de route. Incroyable. Non. Merci. Allez. Non. Vous allez pas y arriver, les gars. Le vainqueur de cette deuxième manche de l'Outlaws Rush affrontera le champion sortant en duel. Alors, est-ce que ça pourrait être Tyler ? À en croire votre gardienne magique, la probabilité est plus qu'élevée. Fuego! C'est bien, Ty. On est tous avec toi, Fred. Merci pour le coup de main, Mac. Bordel de merde! Enfer! Ça juge la manche hors piste de la Outlaws Rush. Pfff.
ont fait sortir? Combien? Quoi? Tout le monde? Tu sais quoi? Je vais m'occuper de lui. Je vais l'écraser moi-même. Attends, on a un remplacement de dernière minute. On a le droit de faire ça? À la place du champion sortant et pour la dernière manche de l'Outlaws Rush, Lina Navarro. On va les écraser. Bien, comme on se retrouve là. T'as vu le genre de tête qu'on a sous le capot? T'as aucune chance. T'as beau tricher, c'est quand même moi qui gagne. Ah, là, ça va être amusant, là. Tyler, il reste un plus grand monde en ligne. Bon, c'est clair, hein, j'en suis sûr. C'est bon, ok. Tu vas voir quand je vais mettre Lina hors de course. Hop. Voiture, je contrôlerai le résultat de chaque course dans la vallée. Cette ville a été je tiens ma revanche. À moins que je sois pas d'accord. Ben, je t'en prie. Même ton ami, le flambeur, s'en fout en tour. L'histoire retiendra qu'il vient de se ranger dans le mauvais camp. Il me fait marrer ton appareil à la con, Navarro. Tu vas perdre. Mais non. J'ai pas oublié l'époque du Barrio, quand on courait avec Jess et les autres. T'étais vraiment doué. Maintenant, faut que tu truques les courses pour les gagner. Les dés ont toujours été pipés pour des gens comme toi et moi, Yann. J'avais pas envie de leur manger dans la main, moi. Alors j'ai choisi le camp des vainqueurs. Moi, j'ai choisi de me battre. C'est pour ça que j'ai dû balancer ton gros Tyler. C'était mon bon de sortie du Barrio. Et tu vas enfin payer pour ça. Accéder à cette course, c'était très fort. Mais t'as jamais eu la moindre chance. T'es juste un dernier ralentisseur sur la route qui me mène au sommet. On en reparlera une fois sur la ligne d'arrivée. T'es en veine, gamin. Continue ta belle série. Je vois ça. Merci. Lina, tu m'avais pourtant dit que tu t'en occuperais. Mais tu vois où on en est. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Non. Je vais m'en occuper moi-même. Comment ça? Toutes mes félicitations, Morgane. Tu es bien parti pour battre mon pilote. Bien. Morgane, je reconnais que tu as du talent et ça serait bien utile au clan. En plus d'être le meilleur pilote de la ville, tu seras encore bien plus riche que dans tes rêves les plus. Il y a un mais, non? Un petit, oui. En fait, tu dois perdre la course. Tu peux pas me remplacer. Je t'ai donné cette ville. Je vais tout perdre à cause de toi et de ta foutue vendetta. Merci pour la propos. Non. Allez, Morgane. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? La gloire? L'argent? La tête de Lina sur un plateau? Tous tes désirs sont des ordres. Je veux que tu te défendes jusqu'au bout. Comme ça, si j'arrive à te battre, c'est vraiment parce que j'étais le meilleur. Ce n'est pas encore terminé. Tyler Morgan est en tête, les amis. Ça se présente bien. C'est pas trop tard, Morgan. Il te suffit de perdre, c'est pas compliqué. Allez, Tyler, abat tes cartes maintenant. Je me rappelle pas quelque chose? Ça rappelle le départ, ça. Hop là! Voilà! Je dis oui, oui, oui! Tyler Morgan! Tyler Morgan va gagner la maman et gagne Downton Rush pour Silver Rock!
Et voici le champion du monde. Où t'es? Tu nous as ruinés avec ton pari, Navarro. Il va me falloir claquer toutes mes ressources pour survivre à ça. Le clan ne veut plus entendre parler de cette ville, et on ne veut plus entendre parler de toi. T'as pas le droit! Après tout ce que j'ai fait pour vous! Tout ce que tu as jamais eu, c'est moi qui te l'ai donné. Et maintenant, je vais tout récupérer. Si je plonge, alors tu plonges avec moi. J'ai des tonnes de preuves contre toi, contre chacun d'entre vous! Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Je ne commettrai plus une telle erreur. Bon, Tyler, on a gagné le rush et on a fait tomber le clan. C'est quoi la suite? J'ai une idée. Non, non! Non, non! Mais d'abord, une course jusqu'à l'aérodrome. Vraiment? Ce reste de la peur, je vois. Après tout, je suis champion. Faut le dire, peur. Attends, là, tu vas voir. Et voilà. Vous avez joué contre le clan avec élégance et sans la moindre pitié, Monsieur Ware. Tyler Morgan était un choix plus que judicieux. Il pourrait même se montrer très utile à l'avenir. Je sais. Le percepteur a tout perdu. Vous avez gagné votre pari. Bienvenue chez Arkwright. Oh. Tout ça pour ça. Oh, et les voitures, la Regera et la Beck F-132. Tyler ? Bien, tu accèdes au rush ? Allez, joue pas les étonnés, tu savais que j'y arriverais. Sauf que c'est pas une course de rue dans le barrio avec Jess et les autres, Tyler. C'est du concret, et être le meilleur ne suffit pas toujours. Crois-moi, j'ai essayé. Tu m'as jamais battu, Lina. Et malgré les moyens mis en œuvre, et même avec le clan pour t'appuyer, tu me bats toujours pas. Avec toi, c'est toujours la course, Tyler. Ça, ça a toujours été. Non seulement je vais te battre, mais je vais t'exploser. Et voilà. Et ben voilà, on a terminé en fait cette 8ème partie qui était un petit peu compliquée. Enfin, bon, on va un peu... On va prendre celle-là. On va chercher un petit garage pour la tuner un peu, parce que bon, voilà. Bon ben écoutez hein. On va s'arrêter là. Bon. Mais du coup on a fini le mode carrière. Donc on a débloqué les dernières voitures. Bon. Bon évidemment. Donc on a beaucoup de choses à faire. On aura beaucoup de choses à faire malheureusement. Améliorer vos performances. Bon. Du coup, on va arrêter là pour cette 8ème, on va arrêter là pour cette 8ème partie. Qui clôt l'épisode carrière. Enfin du mode carrière. Du coup, voilà, donc il nous reste de nombreuses épreuves à terminer, évidemment.
On va essayer de terminer tout le jeu à 100%, c'est-à-dire récupérer tous les jetons qui nous manquent. Et évidemment, faire toutes les épreuves avec 3 étoiles. Voilà, bon, sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode, qui a été un petit peu long à cause de la course tout terrain. Et voilà, bon, ben, je vous remercie à tous, et je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode de 23h01 Need for Speed Payback, pour du coup terminer, pour faire un peu le mode autre que carrière. Voilà, bon, ben, du coup, on se retrouvera malheureusement pas demain, mais on se retrouvera mercredi. Pour du bonus aussi. On continuera Fire Emblem Warriors. Voilà. Allez. Portez-vous bien. Tchou tchou.